حل رقاز انتساس قل موثي سايق توالي ميسور ينفل صرصاس اي قرزق وان كان اني كره غض صبح قرصك ومكان اني كره غض الصبح غفلاس اواها واها ثجال روحنا غير قاز نور نكلال اواها واها ثجال روحنا غير قاز نور نكلال هوا هوا ثجال روحنا غير قاز نور نكلال Combien de nuits blanches ai-je passé, comme tous ceux qui te portent dans leur cœur, à ravaler ma peine au souvenir de cette date fatidique qui est le 25 juin, ce jeudi de la calamité, jour de ton horrible assassinat sur les chemins qui montent vers ton village. La mort t'a tenté traîtreusement au lieu dit Hélène Bouinen, au détour d'un virage. Toi qui à maintes fois l'avais affronté main nue, toi qui disais vrai sans jamais avoir tort, toi qui étais si fier de la justesse de ton combat et qui dénonçais tout haut ce parti et celui-là, toi qui par ton sang paya ton engagement, toi qui par défi mourus à 42 ans pour n'avoir pas voulu mourir de vieillesse tranquillement, toi qui d'un homme dépassé le sage par ta sagesse, toi Lounès, toi qui n'as jamais déserté le champ de ton combat, toi qui opposa ta langue à la subversion des Judas, toi qui de ton peuple œuvra pour la gloire, qui t'habillait toujours de blanc dans le noir, toi qui sans gilet et sans armes te moquais bien des balles, il fallait pour t'abattre faire usage de rafales, tu bravas dignement les Kalachnikovs pour défendre ton honneur et protéger ton épouse et sa sœur. De tes veines, tel un volcan jaillit ton sang, et par-delà ta patrie, inscrivit ton nom sur les murs de Paris. Pour cette mort absurde, tes tueurs ont visé ton peuple, car toi, tu leur échappas en chevauchant librement les étoiles dans le ciel de tes montagnes. Idureri, raison toujours de ta voix, et dans ton immortalité, il se la renvoie. Et malgré ton absence, au milieu de ton peuple et toujours ta présence. Ces quelques mots d'un montagnard, comme toi épris de liberté, te parviendront peut-être là où a jamais tué. Voilà, cher ami, pourquoi je t'écris. Je veux que tu saches que la souffrance des tiens n'est jamais apaisée. Je veux que tu saches que durant toutes ces douloureuses années après t'avoir perdu, de très nombreux guerriers sont lâchement assassinés comme toi dans la rue. La plaie est si profonde qu'elle ne veut plus se refermer. Oh mon ami, oh si tu pouvais savoir, on baptisa cet ignoble massacre Printemps Noir. Ce n'est pas juste, n'est-ce pas? Tu sais bien, toi, que le printemps chez nous est une saison de communion et d'amour. C'est au printemps que nos martyrs viennent gonfler nos poitrines de leur bravoure. C'est au printemps que tous ceux qui s'en sont allés reprennent goût à la vie. C'est pour cela que nous nous rendons en foule dans nos champs
pour les accueillir avec le printemps. نصراح نتقفل تفسو ثلو الناس. C'est au printemps que notre espoir renaît de ses cendres et que notre identité redécouvre son courage. Cependant, mon ami, le printemps chez nous, comme tu le sais, ne dure pas. Les anciens nous l'ont bien dit. On replonge vite dans notre léthargie, s'ignorant jusqu'à l'oubli et s'insultant jusqu'au mépris. C'est vraiment dommage, car c'est la triste réalité réservée à ton sacrifice. Enfin, quand tu auras lu cette lettre, mon frère, serre-la contre ton cœur dans ton éternité. Bonne noce.